compte qu'il y a beaucoup trop de laïcs aujourd'hui, de laïcs chrétiens, qui ont cherché l'incarnation de l'idéal chrétien à l'intérieur de l'Église seulement. C'est bien, c'est très bien qu'on ait de laïcs qui soient lecteurs, qui soient pharmaciens, qui s'occupent de liturgie, c'est très très bien. Mais la première responsabilité des laïcs, c'est quand même, je cite Vatican II, c'est d'imprégner de l'esprit de l'Évangile les réalités de ce monde, et donc notamment les réalités économiques et politiques. Pour sa première réunion de l'année, le Belgian Finance Club recevait Mgr André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, et l'économiste Bruno Coleman, invité à débattre sur le thème « Agir en chrétien dans la finance et l'économie ». Sujet un peu atypique pour cette association, qui a vu les deux orateurs aborder des thèmes très variés comme l'autorégulation des marchés, les bonus des dirigeants d'entreprise, le néolibéralisme et bien évidemment la crise financière de 2008 et la crise de l'endettement des États que nous vivons actuellement. Si les nuances dans les approches sont bien évidemment apparues entre l'homme d'église et l'économiste, on peut néanmoins dire que tous deux ont été d'accord sur le fond des choses. À savoir l'éthique nécessaire, la redistribution équitable des profits, la solidarité et les valeurs qui doivent sous-tendre un comportement qui vise le bien commun et tente de gommer ou d'éviter les inégalités. Un débat serein, intéressant, qui a permis aux nombreux publics d'en apprendre beaucoup sur l'approche de l'Église en matière de finance et d'éthique dans l'économie. Pour Bruno Coleman, les différences de vue entre Mgr Léonard et lui-même sur la crise ne sont pas tellement éloignées. Je ne connaissais pas Mgr Léonard, je l'avais vu de loin il y a quelques années à Namur, je l'ai lu dans la presse, et c'était très intéressant d'avoir un débat constructif avec lui, intéressant, et surtout de l'entendre parler de manière libre sur des sujets compliqués, controversés, notamment que sont l'économie et l'état des finances publiques. Je trouvais qu'il avait une vision généreuse, bienveillante, des choses qui m'a impressionné. En même temps, je crois que l'économie est beaucoup plus rude et brutale que l'économie du don ou de la charité qui est prônée par les encycliques. Et donc, il y a des réalités, on va dire, humaines, terrestres, qui sont parfois à l'opposé des postulats moraux qu'on peut faire. Et ça, c'est la différenciation, je crois, qu'il y avait en nos points de vue. Mais de manière générale, je trouvais ça extrêmement intéressant et très agréable. On se rejoint sur pas mal de choses, peut-être pas sur le fait que l'économie peut être naturellement moralisée. Il est clair que dans les encycliques, dans toute la théorie chrétienne, si on peut appeler ça une théorie, il y a l'espoir que l'économie s'auto-régule ou en tout cas conduise à de justes équilibres entre les humains. Je crois par contre que l'économie est beaucoup plus dure, beaucoup plus darwinienne qu'on ne le croit, et que c'est à l'État, qui est un peu l'interface des marchés, de jouer ce rôle de redistributeur. Mgr Léonard s'est dit très heureux et a beaucoup appris de ce débat sur le fonctionnement de l'économie. Je pense qu'il y avait une convergence sur les points essentiels, mais je comprends la réaction de l'économiste, qui est d'abord sensible au fait que l'économie, que le marché en particulier, a sa logique propre qui doit être comprise, respectée intellectuellement. Et que donc il ne faut pas demander au marché d'être par lui-même autre chose que ce qu'il est. Il faut d'abord reconnaître la consistance propre, ce qui est, me convient bien sur le plan intellectuel et sur le plan philosophique, à condition que sur le plan pratique, il y ait des correctifs, des tempéraments, des compléments, des inspirations qui soient apportés par d'autres sources.